C'est l'histoire d'un mythe, une montagne aux formes quasi parfaites. Tous ses flancs sont élancés, longs et raides. L'aiguille verte trône au-dessus de la vallée de Chamonix. En réalisant la première ascension, Whymper et ses compagnons ont ouvert la voie à une longue série d'exploits. La plupart des grands noms de l'alpinisme figurent dans le livre d'or de la Grande Dame. 150 ans après, la cime n'a pas changé, aucune voie n'est facile et la citation légendaire de Gaston Rébuffa est toujours d'actualité. Avant la verte, on est alpiniste, à la verte, on devient montagnard.